Francis Ngannou confirme qu'il ne re-signera pas avec l'UFC s'il ne peut pas combattre Tyson Fury. Francis Ngannou a tranché, signer un nouveau contrat à l'UFC ne lui pose pas de problème, mais il pose ses conditions. Depuis sa victoire à l'UFC 270 contre Cyril Gane, Francis Ngannou s'est fait opérer du genou, avec succès. Cette opération a mis en stand-by les discussions qu'il avait avec l'UFC à propos de son nouveau contrat, où Francis Ngannou voulait être mieux payé, mais aussi avoir le droit d'aller en boxe. Point sur lequel la promotion était en désaccord avant le combat contre Gane. L'UFC avait même demandé de poursuivre en justice The Predator pour avoir prétendument contacté le manager de Jack Paul. Aujourd'hui, Ngannou ne ferme pas la porte à un retour à l'UFC et dans l'octogone. Cependant, comme on peut s'en douter, il veut des options dans son contrat, et notamment celle où il aura l'autorisation d'aller boxer contre Tyson Fury. Voici ce qu'il a dit à Ariel Helwani. Le combat contre Tyson Fury doit faire partie de la discussion, ce n'est pas une option. Il doit faire partie de la discussion, parce que si ça ne fait pas partie de la discussion maintenant, ça ne le fera jamais. Si je signe un autre contrat maintenant, et fondamentalement le même modèle de contrat, je suis foutu. Cela n'arrivera jamais. Nous devons donc trouver un moyen de mettre cela en place dans un contrat. Je pense que l'UFC est une grande promotion, et je veux continuer à me battre. Tyson Fury n'est pas mon dernier combat. Je veux continuer à me battre après Tyson Fury, il y a encore beaucoup de combats à faire. Il y a John Jones, il y a une trilogie avec Stipe Miocic, il y a un grand combat que je peux faire à l'UFC, donc j'aimerais vraiment que cela arrive. J'aimerais aussi vraiment arriver à un point d'entente. Oui, je peux battre Tyson Fury tout seul, mais quelle sera la suite? J'aimerais continuer à me battre, et ce combat contre Fury prend vraiment forme. Les deux hommes se sont rencontrés dans le ring juste après la victoire de Tyson contre It, le week-end dernier, et ont clairement dit qu'ils voulaient s'affronter tous les deux. Pensez-vous que l'UFC va accepter la demande de Francis Ngannou?